Dans un endroit reculé des montagnes centrales du Mexique, une scène d'un autre temps se déroule. Ces paysans participent à une cérémonie où se mêlent commémorations solennelles et rituels étranges. Il faut sans doute que le défunt soit un important personnage pour mériter une telle cérémonie. En fait, ces gens enterrent leur nourriture sacrée. Ces jeunes mariés se réjouiront de voir leurs invités leur jeter de la nourriture, parce qu'il s'agit de riz, un symbole de félicité pour les nouveaux conjoints. Cette utilisation rituelle de la nourriture comme jeter du riz lors d'un mariage est solidement ancrée dans nos cultures. Les nourritures sacrées, les nourritures interdites, les nourritures au pouvoir occulte sont le sujet de cette émission. Souhaitons beaucoup de bonheur à ces jeunes mariés. Ils pensent probablement que de jeter du riz est un geste bien anodin. Mais cette tradition a pour origine les rites anciens de la fertilité. Le riz était supposé rendre la mariée féconde. Nous n'attachons plus guère d'importance à ces croyances, et pourtant la nourriture est l'objet de rituels importants à travers le monde. Aucune existence n'est possible sans nourriture. Cette obligation de se nourrir fait que beaucoup d'êtres humains associent la nourriture à un don des dieux. Cette valeur spirituelle de la nourriture est une idée qui se perpétue de nos jours, comme dans la communion chrétienne, où le vin est symbole du sang du Christ. La nourriture et les rituels qui l'entourent ont toujours été l'expression de croyances humaines profondes et obscures. À travers tous ces rituels, la demande est la même, obtenir de mystérieux pouvoirs. Dans la plupart des sociétés primitives, les dieux étaient terrifiants, et il fallait à tout prix apaiser leur colère. Alors à Séville, nous sommes allés à la recherche d'un peuple qui pensait que par le sang répandu, il garantirait son salut. Dans cette bibliothèque espagnole sont rassemblées les archives de la conquête du Mexique au XVIe siècle. Les Espagnols étaient loin d'être des enfants de cœur, mais ce qu'ils découvrirent chez les Aztèques les choqua profondément. Les rapports qui parvenaient en Espagne ressemblaient à de sordides articles de la presse populaire. Avec l'hostie de la communion, les catholiques mangeaient le corps du Christ. Mais les Aztèques, semble-t-il, ne s'embarrassaient pas de symboles et consommaient de la chair humaine. Les rapports espagnols décrivaient leur rituel préféré, le sacrifice humain. Après les avoir écorchés vifs, ils découpaient le cœur de leurs victimes et les offraient aux dieux. La chair consommée des suppliciés protégeait la santé spirituelle des Aztèques. Des rituels où plus d'un millier d'êtres humains furent sacrifiés chaque année. En retour, les dieux devaient protéger le royaume. Mais ces sacrifices ne pourront arrêter la destruction de leur empire. Les Aztèques voyaient dans la chair humaine un aliment sacré qui pouvait leur conférer ses pouvoirs magiques, une croyance semblable à celle de beaucoup d'autres peuples. La plupart des sociétés croient qu'il existe un lien bénéfique entre l'âme et certains aliments. Construite sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque, la ville de Mexico garde bien peu de traces de ses anciens occupants. Malgré tout, on peut toujours y voir des groupes de danseurs qui divertissent les touristes. Bien loin de la capitale, au plus profond des zones agricoles, des paysans mexicains descendants des Aztèques perpétuent de vieilles traditions.
c'est la fête des récoltes. Il faut un sacrifice. Le cœur, symbole de vie, a toujours joué un rôle important. On le place sur un lit de feuilles de palme enduite d'une épaisse sauce à base de tomates. C'est un tomalis géant, une sorte de tarte, base de toute alimentation dans ces régions. Une fois cuit, le tomalis a presque une forme humaine, sans doute une réminiscence des traditions aztèques. Cette utilisation de la nourriture pour faire des offrandes est universelle. Pour nous, la célébration des récoltes est presque devenue folklorique. Pour eux, elle symbolise la différence entre la vie et la mort. Ils y mettent donc toute la dévotion nécessaire. La procession se dirige vers les champs de maïs, où les récoltes s'achèvent. L'orchestre, à la fin de son répertoire, fait monter la tension. La tomalis est déposée devant un hôtel de fortune. Après les expressions de gratitude, il ne reste qu'à accomplir le dernier acte du rituel. Le partage de cette nourriture sacrée renforce les liens communautaires. Et parce que ces rites sont les mêmes depuis des siècles, il permet aussi à ces paysans de rester en contact avec leurs ancêtres. Mais cette valeur sacrée de la nourriture se retrouve dans beaucoup d'autres points du globe. Une salade noyée d'huile d'olive. Nous sommes en Grèce, bien évidemment, là où l'huile d'olive coule à flot. C'est l'aliment de base des Grecs. Depuis des milliers d'années, elle est le symbole spirituel de toute cette nation. L'olivier est l'emblème de la capitale, Athènes. L'endroit le plus célèbre du pays a un lien direct avec l'olivier. Au sommet de l'Acropole, le temple du Parthénon est dédié à la déesse des oliviers, Athéna, la patronne de l'antique Athènes. Selon la mythologie, son cadeau à la ville surpassa celui de tous les autres dieux et lui offrit le plus précieux des présents, le premier olivier. Les Grecs ont toujours eu besoin de beaucoup d'huile d'olive. Au cours d'exercices d'athlétisme ou pendant les cérémonies d'initiation, on enduisait les corps d'huile afin de signifier qu'on les bénissait ou qu'on les purifiait. Il apparut rapidement que c'était aussi excellent pour la peau. On dit que l'olive est si précieuse qu'il faut battre les arbres pour qu'ils acceptent de s'en séparer. Mmh.
Première leçon pour un aliment sacré, savoir se rendre indispensable à son entourage. L'olivier en Grèce se contente d'un sol très pauvre, là où rien d'autre ne pousserait. Il a donc été à la base de toute l'économie locale pendant des milliers d'années. Après leur cueillette, les olives sont amenées au pressoir. La famille de M. Katsapaki presse ainsi les olives depuis quatre générations. La meilleure des huiles d'olive, c'est celle obtenue par la première pression à froid. Voici comment ça se passe. D'abord, on écrase les olives pour en faire une pâte onctueuse. Puis la pâte est étalée sur des claies d'osier. Ensuite, on empile ces claies en couches, comme un millefeuille géant. Le tout est disposé sous la presse. On obtient donc le liquide par le seul poids de la pression à froid. Cette huile est dite extra vierge, première pression à froid. C'est absolument délicieux. Dans la législation européenne, le cas de l'huile d'olive est traité à part, l'appellation indiquant le mode d'obtention. Mais l'huile a bien d'autres usages en Grèce. L'évêque orthodoxe baptise un fidèle. La plupart des Grecs vous diront que l'on n'est pas vraiment grec sans cette cérémonie. Et comme bien sûr il s'agit d'identité nationale, il faut de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. On dilue aussi l'huile dans l'eau bénite. De même que les Grecs de l'Antiquité pensaient que l'huile protégeait le corps, les orthodoxes pensent que l'huile symbolise la protection de l'âme. Lorsque les premiers chrétiens arrivèrent en Grèce, cette utilisation de l'huile était si ancrée dans les mentalités qu'ils ne purent ni l'ignorer, ni l'abandonner. Au contraire, ils surent l'intégrer dans leurs célébrations. Même si le culte d'Athéna n'est plus célébré, l'olivier et ses fruits font partie du patrimoine culturel des Grecs, qui les considèrent toujours comme un don des dieux. Certaines nourritures sont devenues symboles de corruption. Ce restaurant garantit sa clientèle contre tout risque de corruption. Blooms est un des restaurants juifs les plus célèbres au monde. Il fut fondé dans les années 20 à Londres, dans le quartier juif de l'East End. C'est un restaurant kasher, appliquant strictement les règles alimentaires complexes de la religion juive. Le mot kasher en hébreu signifie « propre à la consommation ». La Bible nous enseigne d'abattre les animaux selon un rituel bien précis pour qu'ils souffrent le moins possible. Ensuite, nous préparons la viande avec le sel et nous éliminons toute trace de sang. Certaines de nos lois veulent que nous nous débarrassions des insectes dans les légumes. Il y a des lois concernant les fruits, le vin, et même certains des aliments autorisés ne peuvent être mélangés entre eux. Par exemple, nous ne pouvons mélanger viande et produits laitiers, et nous devons séparer leur consommation par un laps de temps. Ces règles sont si strictes qu'il y a dans chaque restaurant kasher une personne spécifiquement chargée de vérifier tout ce qui est servi. Les Juifs ne mangent ni ne boivent de sang. Donc si je trouve une tache de sang dans un de ces œufs, je m'en débarrasse. Tout est vérifié avant d'être mangé. Il n'y a rien ici qui ne soit kasher. Thank you.
Pour les juifs comme pour les musulmans, ce petit animal est le symbole même de l'interdit alimentaire. En lui, ils voient la manifestation des pouvoirs occultes de la corruption. La Bible stipule que les croyants peuvent consommer la viande des ruminants aux pieds fourchus, mais le porc n'est pas un ruminant. Ainsi, le porc est proscrit, dénigré, fustigé. S'il y avait un endroit où le cochon devrait se sentir en sécurité, c'est bien ici en Israël. Mais ces deux femmes vont nous prouver le contraire. Chaque semaine, elles se rendent chez leur boucher, un boucher qui n'a rien de cachère. Chez lui, on ne trouve que du porc. En Israël, des bouchers comme celui-ci ont été injuriés, boycottés. Certains ont même reçu des bombes incendiaires. Ce magasin est tenu par des juifs russes. Les autorités soviétiques obligèrent beaucoup d'entre eux à manger du porc, voulant ainsi saper les fondements de leur religion. Ils y réussirent parfaitement. Des générations de juifs russes ne connurent plus d'autre viande que le porc. Ils finirent par trouver cela normal et se mirent même à l'apprécier. Juifs par la naissance, ils ne l'étaient plus par la religion. Il vous sera difficile de trouver un restaurant qui serve ce genre de plat. C'est un plat traditionnel russe, un mélange de viande de porc et de crème. Nous mangeons du porc comme si cela était parfaitement naturel. Mais pour mes parents et ceux de leur génération, cela n'avait rien de naturel. Ils venaient tous de familles très pratiquantes et ils ont ramené... La famille de Dalia Lamdani ne fut pas obligée de manger du porc. Ses parents en firent le choix délibéré. Russes d'origine, ils arrivèrent en Palestine dans les années 30, espérant y construire un paradis agricole. Ils étaient socialistes. Pour eux, enfreindre le tabou du porc prenait une valeur symbolique, leur permettant de rompre avec leur passé religieux. Lorsque nous sommes arrivés, ma grand-mère venait aussi d'un milieu très religieux. Mais cette époque fut un tournant pour beaucoup de juifs. Elle en vint à la conclusion que Dieu n'existait pas et que le ciel n'allait pas lui tomber sur la tête. Alors elle tourna le dos à ses croyances et se mit à manger du porc, mélangea lait et viande et toutes sortes de choses. Quel âge avait-elle ? Elle avait 16 ans. Il y a presque 70 ans qu'ils sont arrivés. Presque. Et chaque personne de cette génération avait une histoire à raconter sur la première fois où ils ont mangé du porc. Et le ciel ne leur est pas tombé sur la tête comme ils s'y attendaient. C'est un fait. C'est vraiment un fait. Mais si la consommation du porc n'entraîne pas la damnation immédiate, les juifs pratiquants pensent qu'elle a un effet plus pervers. Les lois alimentaires sont là aussi pour maintenir l'identité juive. En les affaiblissant, c'est tout l'édifice qui se trouve menacé. S'abstenir de manger de la viande de porc représente le dernier bastion des règles cachères. Si on enfreint cette règle, cela veut dire qu'on aura déjà rejeté toutes les autres règles alimentaires auparavant. Et cela signifie un affaiblissement de la tradition juive. Alors essayez d'imaginer la fureur de certains lorsqu'on implanta près de Tel Aviv le premier élevage industriel de porc. La loi indique que le porc ne peut souiller le sol d'Israël. Il suffisait donc de construire une dalle de béton. Mais aux yeux de la plupart des juifs, il n'y a pas de compromis avec ces animaux. En Espagne aussi, la croyance que certains aliments contiennent des pouvoirs occultes fait partie de l'identité du pays. Ces jeunes garçons s'entraînent à ce qui est un peu le sport national. Ils veulent devenir toréadors et participer à ce spectacle si symbolique de la culture espagnole.
L'Andalousie est le cœur historique de la corrida. Autrefois, c'est là que l'on chassait les taureaux. Ces bêtes magnifiques sont élevées ici depuis des siècles et les spécimens de cet élevage sont réputés parmi les plus agressifs. La corrida a pour origine d'antiques rituels où les hommes sacrifiaient un animal au dieu taureau. Puis ils mangeaient sa viande pour bénéficier de ses pouvoirs. C'est un peu ce qui se passe encore de nos jours. La viande d'un taureau tué à la corrida a une réputation de grande finesse. Le consommateur est supposé profiter de la virilité et de l'énergie de l'animal. Et lorsque l'animal est sacré, on ne peut le tuer fortuitement. Il faut une cérémonie et donc un officiant. Matador signifie celui qui met à mort. Et en Espagne, les matadors sont d'immenses vedettes. Mais pour Juan Muriel, tout juste 18 ans, il s'agit surtout de mener son premier combat avec le public. De nombreux papes essayèrent d'interdire la corrida pour ses origines païennes. Mais de même que les onctions d'huile d'olive ne purent jamais être proscrites, la corrida a survécu à ces pressions. Les Espagnols estiment que le diable a sûrement des pieds fourchus, des cornes et une robe noire. Ainsi, le taureau symbolise le diable dans toute sa puissance. L'âme espagnole voit dans la corrida la force de résistance des vieux rituels, lorsqu'un homme se confrontait, seul, à la puissance de la nature. Plutôt que de feindre d'ignorer la mort des animaux qui seront mangés, les Espagnols, eux, préfèrent la sombre signification d'une mise à mort en public. Les Espagnols gardent l'âme paisible. Pour eux, ce taureau a été honoré par sa mise à mort. Mais Juan, lui, bénéficie d'un tout autre honneur. Il rejoint l'élite des matadors. Mais seuls les gagnants font le tour de l'arène. Le taureau, lui, est traîné vers son destin. À proximité des plus grandes arènes, on trouve des restaurants qui servent la viande des taureaux tués au combat. Certains morceaux sont particulièrement appréciés. Par exemple, les criadillas, les testicules, excellentes pour le machisme. Cette croyance peut paraître primitive, mais elle n'est pourtant pas très éloignée de celle qui veut qu'un bon steak bien épais renforce la virilité. Cette idée des pouvoirs occultes que procure la nourriture n'est pas seulement une réminiscence d'anciens folklores ou d'anciennes cultures. Elle date sans doute du premier repas jamais consommé, mais c'est une idée que nous sommes loin d'abandonner. La nourriture a un rôle vital dans nos existences. Que ce soit pour un anniversaire ou pour un mariage, l'événement serait incomplet sans elle. Et même si son rôle spirituel a perdu de son importance, nous nous sentons toujours obligés de marquer les moments les plus importants de nos vies par un repas. Et si la cérémonie religieuse et le photographe ne sont plus obligatoires, il ne viendrait à personne l'idée de supprimer le repas de mariage. Le partage de la nourriture nous permet d'exprimer notre appartenance au groupe. Il n'y a rien de mieux qu'un repas pour réunir les gens et pour partager nos identités. C'est sans doute dans ce plaisir que réside le plus grand pouvoir caché de la nourriture.